Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 mai sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, le décret portant sur la matière suivante a été adopté. Il s'agit de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et la Banque africaine de développement dans le cadre du financement partiel du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la Société béninoise d'énergie électrique. Cet accord de prêt d'un montant de 5,049,217,600 francs CFA servira au financement du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la Société béninoise d'énergie électrique. Le projet a pour objectif le renforcement des infrastructures électriques de la SBEE en vue d'améliorer la qualité de service de fourniture de l'électricité dans les villes et environs de Cotonou, Porto-Novo, Abomey, Boïcon et Lokossa. Il vise tout particulièrement le renforcement et l'extension des réseaux de répartition et de distribution dans ces villes et alentours, ainsi que la réalisation de 10 000 branchements au profit des ménages. Les ministres concernés ont été instruits à l'effet de veiller à l'aboutissement de cette procédure ainsi qu'à la mise en œuvre diligente du projet. Au titre des communications, trois dossiers ont été approuvés. Premier dossier, extension de la flotte Bénin Taxi à d'autres villes. Au terme des 6 premiers mois d'activité, les principaux objectifs visés par la mise en place de cette flotte ont presque été atteints. En effet, le projet Bénin Taxi a impulsé un changement dans les habitudes locales de consommation en matière de transport urbain. Il a également rehaussé le niveau de l'offre en la matière en vue de contribuer à accroître l'attractivité touristique. Mais la totalité de la flotte était initialement destinée à la ville de Cotonou et de ses environs. La couverture des autres villes était envisagée pour une deuxième phase. L'exploitation a cependant révélé que, premièrement, le temps d'adaptation du marché et de création de nouvelles habitudes a été plus long que prévu. Deuxièmement, la quête de rentabilité a poussé certains artisans à répondre à des sollicitations de clients hors de la zone géographique prédéfinie. C'est pourquoi le Conseil a autorisé le redéploiement de l'ensemble de la flotte, celle existante de 247 véhicules et celle qui doit entrer bientôt en circulation avec 53 nouveaux taxis. Les villes suivantes seront couvertes: Porto-Novo, Semepoudi, Ouida, Alada, Abomey-Calavi, Boïcon, Abomey, Parakou, Natitengou, Tanguieta. Le ministre d'État chargé du plan et du développement veillera à la mise en œuvre de cette deuxième phase du projet. Deuxième dossier, guide méthodologique national d'évaluation. Le guide méthodologique est un outil important, indispensable pour le système national d'évaluation. En effet, une bonne évaluation des politiques publiques permet de déboucher sur une meilleure gouvernance des actions publiques, une utilisation optimale des ressources affectées aux programmes et projets de développement et une plus grande qualité des résultats attendus. Ce faisant, il facilite la prise de décisions stratégiques ou opérationnelles. Son appropriation effective permettra l'amélioration significative de la qualité des évaluations à réaliser, de même que leur conformité aux normes et standards internationaux. Il convient également de souligner
que la réalisation d'évaluations de qualité induit une meilleure formulation des politiques publiques dont la mise en œuvre efficiente impacte les conditions de vie des populations. Une base de données sera ainsi constituée et mise à jour régulièrement suivant les mécanismes appropriés. En prenant acte de l'élaboration de ce précieux document de travail, le Conseil a instruit tous les ministres à l'effet de veiller à sa diffusion. Troisième dossier, compte rendu des sanctions prises à l'encontre de 27 ex-policiers et ex-gendarmes pour mauvaise gestion des fonds additionnels alloués aux unités de sécurité publique. Dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire de notre pays, le gouvernement a mis à la disposition des unités opérationnelles de l'ancienne police nationale et de l'ancienne gendarmerie nationale des fonds additionnels. Ces fonds destinés aux unités territoriales ont été remis directement au chef d'unité avec des consignes fermes et des procédures précises en vue de leur bon usage. Nonobstant toutes ces dispositions, les contrôles effectués ont décelé des irrégularités graves dans la gestion des dix fonds. En effet, dans certains cas, ils ont été détournés par certains responsables d'unité à des fins autres que leurs destinations initiales ou utilisés sans justifications objectives. En raison de la qualité des mises en cause et de la gravité des fautes professionnelles commises, les intéressés ont été traduits devant les conseils de discipline. Ceux-ci ont émis des avis variant de la non-activité temporaire à la radiation avec perte de grade à l'égard des 27 anciens policiers et anciens gendarmes concernés. Mais en vertu de son pouvoir réglementaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a décidé de la radiation des mises en cause. Il s'agit de, pour l'ancienne gendarmerie nationale, lieutenant Akoklanou Rémy, lieutenant Kitty Charles, adjudant-chef Ronsou Togbe Kalmeno, adjudant Saré Adam, adjudant Tchenga David, adjudant Bengis Sakaregi Malik, adjudant Adjovi Runkwenu Campos Rodrigue, adjudant Sero Pera Gounou, adjudant Dankouvi Foli Stanislas, adjudant Agbede Komlan Etienne, adjudant C. Ibourima Yaya, pour l'ancienne police nationale, commissaire principal de police Awasi Jean Bosco, commissaire de police de première classe Azanlin Rémy, commissaire de police de première classe Sédak Bandé Daniel, commissaire de police de première classe Padé Michel Abraham, commissaire de police de deuxième classe Boulanki Aruna, commissaire de police de deuxième classe Egué Mathias, commissaire de police de deuxième classe Dansou Jérémy, commissaire de police de deuxième classe Ngobi Yoru Oru Koni, commissaire de police de deuxième classe Ogugbe Agossa Pierre, commissaire de police de deuxième classe Chan Kuduzu, commissaire de police de deuxième classe Zimujo Johnson, inspecteur principal de police Kwaozoti Arnaud Brice, inspecteur principal de police Dembo Chabi, inspecteur principal de police Denon Narcisse, inspecteur principal de police de première classe Sagoran Thierry Brice, inspecteur de police de première classe Dossou Pakoum. Le Conseil a pris acte de ce compte rendu et instruit le ministre de veiller à l'application effective de ces sanctions. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé le lancement à Cotonou du 7 au 9 juin 2018 de la deuxième phase, de la phase 2 du programme ouest-africain d'épidémiologie virale, la participation du Bénin à la réunion annuelle du réseau francophone numérique à Tunis, en Tunisie, du 3 au 4 mai 2018, la participation du Bénin aux assemblées annuelles 2018 du Conseil des gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement à Busan, en Corée, du 18 au 27 mai 2018. Au titre des mesures individuelles,
la nomination suivante a été prononcée. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, consul général du Bénin à Dubaï, M. Adamou Abba Bayan. Je vous remercie. Ma question est relative à l'extension de la flotte Bénin Taxi à d'autres villes du pays. Cette extension, on peut le dire, traduit le besoin de la flotte dans d'autres villes et illustre a posteriori le bien fondé de ce projet du gouvernement. Peut-on alors penser à une extension plus large, monsieur le ministre ? C'est le débat et c'est la réponse. Vous avez compris qu'avec la phase, on va dire probatoire du projet, le succès est quasi total. La ville de Cotonou est d'accès beaucoup plus facile. Évidemment, la circulation est beaucoup plus fluide. Il y a du professionnalisme dans le transport urbain des personnes, celles qui sont nationales et celles qui viennent de l'étranger. C'est l'attractivité de notre pays qui est élevée. Pourquoi ce qui marche dans la ville de Cotonou ne pourrait pas marcher dans les autres villes ? D'autant que l'ambition du gouvernement, c'est d'élever la qualité du cadre de vie dans toutes nos villes. C'est pour cela que la solution, comme vous l'avez bien subodoré, imaginé, c'est d'étendre cette expérience à d'autres villes, de corriger les insuffisances, parce qu'il y en a, de faire en sorte que, évidemment, la plupart de nos grandes villes, de nos villes moyennes, puissent avoir un accès facile et que les personnes puissent y circuler en toute sécurité. Parce que l'autre ajout, ce n'est pas seulement la qualité du transport, c'est la sécurité dans le transport, c'est la sécurité par le transport. Et c'est le fait donc d'élever les villes du Bénin au même rang, au même niveau que les villes de comparaison au sein de notre région et partout ailleurs. Bonsoir, monsieur le ministre. Loris Lévy d'abord, Diaspora FM et DenTV. Je voudrais m'intéresser à ce qui convient d'être appelé l'autre acte fort que vient de poser le gouvernement. Je veux aborder l'ascension prononcée par le gouvernement contre 27 agents, anciens agents de la police et anciens agents de la gendarmerie. Est-ce une tradition à la fidélité dans cette dynamique de lutte contre l'impunité, ou quel autre sens vous donnez à ces actes, à ces malversations que vous révélez chaque après-midi le mercredi? Sur la question particulière de la sécurité, vous savez bien que l'insécurité quasiment généralisée a été le mal qui a longtemps rongé notre pays. Notre pays est perçu comme une terre d'insécurité. Pourtant, nous avons les ressources humaines de très grande qualité. Pourtant, les moyens ne manquent pas, puisque le gouvernement actuel n'est pas allé rechercher les moyens ailleurs. Ce sont les deniers de nos concitoyens. Et bien évidemment, cette question prioritaire, qui est la question de la sécurité, comme la question de l'éducation, le gouvernement a pris les taureaux par les cornes, a considéré que il faut puiser les ressources là où elles se trouvent et les mettre à la disposition des agents afin qu'ils assurent notre sécurité en tout temps et en tout lieu. Vous rappelez que il n'y a pas longtemps, si longtemps que cela, c'est le citoyen qui paye sa sécurité. C'est sur les routes que nous payons notre sécurité, à travers ce qu'on prélève de nos poches. Vous n'observez plus cela. Et donc, c'est de la responsabilité du gouvernement de mettre ces ressources, qui sont les ressources de nos contribuables, de chacun de vous, à la disposition des agents formés et mandatés pour le faire. Comme ailleurs dans le système éducatif, comme ailleurs, que je ne veux pas citer, nommer, bien entendu, il se trouve que certains responsables qui ont la charge de l'utilisation efficiente au profit de nos concitoyens, de ces deniers, les ont détournés. Et de ce point de vue, le gouvernement applique le dispositif qu'il a mis en place. Il faut systématiquement relever
les personnes de leurs fonctions. Et il faut poursuivre. Au sens administratif, le gouvernement a l'entière responsabilité de mettre en place les conseils de discipline. Ce qui a été fait et les sanctions appropriées ont été prises. Sur le terrain judiciaire, le gouvernement attend que la justice fasse, bien entendu, son travail. Voilà ce que je peux vous répondre. Et malheureusement et douloureusement, les mêmes sanctions seront davantage appliquées si les mêmes faits sont observés. Je dis malheureusement, je dis douloureusement, parce que ce n'est pas du bonheur d'appliquer la loi, d'appliquer les sanctions de cet ordre-là. Mais tant qu'on ne fera pas cela, eh bien, le bien public sera méprisé comme nous le faisons. Il faut de l'exemple. Je voudrais appeler la conscience de chaque agent public, de chaque responsable. Ce qui a commencé par être fait depuis le 6 avril 2016 ne s'arrêtera pas. Ce que le gouvernement souhaite voir ne plus se passer, ce sont les actes de prévarication, ce sont les actes de détournement, ce sont les actes de corruption. Si cela disparaît, les sanctions disparaîtront. Je vous remercie. Monsieur le ministre, toujours dans cette même dynamique, j'aimerais croire que cette dynamique de lutte contre l'impunité restera intacte jusqu'au soir du mandat et s'étendra à d'autres structures et domaines. Je n'ai pas l'impression qu'il y a des éléments ou des actes ou des comportements qui vous laissent croire du contraire. Cependant, j'insiste, je précise et j'insiste, il n'est du bonheur de nulle personne de devoir appliquer dans sa rigueur la loi. Il est de l'espoir de chaque responsable, le président de la République en premier, que les responsables à divers niveaux ne s'exposent pas de cette manière pour appeler à l'application de la loi dans ce sens. Et bien entendu, je veux espérer, contrairement à ce que vous dites, qu'au soir du mandat, nous n'aurions plus à appliquer la loi parce que nous espérons que les actes qui sont posés dans ce sens, de cette nature, dans cette mesure, ne seront plus posés, que le bien public sera respecté et que les deniers confiés seront utilisés au profit des populations, au profit des missions pour lesquelles les deniers ont été confiés à nos concitoyens et en charge de nous protéger. L'actualité de ces derniers jours, tout le monde la connaît, c'est le dossier Atao. Le député affirme et soutient avoir été bastonné par des éléments de la police vendredi dernier au tribunal de première instance de Cotonou. Et récemment, la sortie médiatique du procureur dit le contraire. Et entre-temps, le député avait affirmé ou déclaré sur une chaîne internationale, en l'occurrence RFI, qu'il est victime d'un acharnement politique. En tant que membre du gouvernement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette situation? Merci. Le gouvernement entend effectuer quelques rappels et quelques mises au point. Le premier élément du rappel, il vous souviendra que, à l'occasion de la découverte à divers endroits, dans des résidences appartenant à la personne que vous venez d'indiquer, plusieurs procédures ont été initiées contre des personnes suspectées, notamment les pharmaciens grossistes répartiteurs, leurs responsables. Une décision de justice a été rendue. Il y a des personnes qui sont à ce jour en détention, aussi bien des ressortissants du Bénin qu'un étranger. Deuxième élément du rappel, en ce qui concerne le député Renoufo Taoufik, plusieurs procédures ont été engagées. Une procédure devant le juge d'instruction et, bien entendu, des procédures en flagrant délit. À ce sujet, faut-il préciser, donc premier élément de la précision, que
dans le cadre de la procédure devant le juge d'instruction, puisqu'il n'avait pas été retrouvé, puisqu'il n'avait pas comparu, le procureur de la République a requis la délivrance d'un mandat d'arrêt. Et donc, dans le cadre de la procédure devant le juge d'instruction, il était sous mandat d'arrêt. Je me permets d'insister sur le sens du mandat d'arrêt, parce que dans tout ce que j'ai lu, madame, et même sur Frisson Radio, nul n'a recherché ce que signifie le mandat d'arrêt. Faut-il dire que le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le juge d'instruction à toute personne, notamment les forces de sécurité, à l'effet de rechercher une personne et, conjonction de coordination, de la déposer dans une maison d'arrêt indiquée sur le mandat d'arrêt. Donc le mandat d'arrêt est une contrainte que le procureur de la République exécute avec les forces de sécurité publiques, une contrainte à laquelle toute personne est soumise, que doit respecter toute personne, y compris les juges eux-mêmes. On comprend bien qu'en présence d'un mandat d'arrêt, lorsque la personne est retrouvée, elle n'a pas à aller à d'autres endroits que dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat d'arrêt. À supposer même qu'une personne est surprise devant un juge alors qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt, le comportement normal du juge, c'est de dire que le mandat d'arrêt soit exécuté et qu'on puisse représenter la personne pour que la procédure appropriée soit effectuée. Le mandat d'arrêt, c'est comme une décision et nous sommes tous inclinés à respecter, invités à respecter les décisions. Il vous a été rappelé, et cela devient une habitude devant le tribunal de première instance de Cotonou, qu'une personne faisant l'objet de mandat d'arrêt se retrouve devant un juge d'instruction qui ne fait pas appliquer la procédure, que la personne se retrouve devant un juge des libertés et de la détention qui ne fait pas appliquer la procédure, même si après, il lui est loisible de lever le mandat. Deuxième, donc, précision. Troisième précision, bien entendu, vous l'avez relevé, il a été indiqué que, alors que les officiers de police judiciaire étaient à la recherche et donc découvrent la personne dans les allées du tribunal, s'apprêtaient à mettre à l'exécution le mandat d'arrêt, il a été indiqué que le député aurait été victime d'abus, notamment sur son corps. Bien évidemment, le procureur de la République a réquisitionné les services compétents de l'hôpital Hubert Maga de Cotonou, à l'effet de vérifier si ces allégations sont avérées. Il a rendu compte à l'opinion publique. Je n'ajouterai pas un seul mot. Mais la clarification que je voudrais faire au nom du gouvernement est de dire que tout ce qui sera fait pour que la vérité soit connue des juridictions, pour que les sanctions appropriées, si cela est avéré, soit appliqué, ou que les responsabilités diverses soient identifiées et que les personnes qui sont responsables de ce que vous savez puissent encourir les peines conséquentes, le gouvernement fera cela. Le gouvernement fera en sorte que la justice va se déployer. Je voudrais vous dire que ce que recherche le gouvernement, c'est la considération que l'on devrait avoir pour ces millions de Béninois qui ont consommé des produits dont personne ne conteste plus le caractère faux. Ce sont des personnes qui ont souffert de maladies, qui n'ont aucune ressource pour se faire protéger, pour se faire rendre justice. Ce que recherche le gouvernement, c'est que cela ne se reproduise plus. Et bien entendu, nous sommes attentifs à l'action judiciaire dans le cadre de ce dossier. Il y a des dysfonctionnements qui ont été relevés. Je suis le premier responsable de l'administration judiciaire. Nous allons assumer toute notre responsabilité de ce point de vue.